C'est ce qui s'appelle faire le service après-vente. Gérald Darmanin a entamé ce matin un tour de France des centres d'impôts pour aller à la rencontre des agents, des contribuables. L'artisan du prélèvement à la source veut montrer qu'il est présent au moment où il entre en vigueur. Le ministre des Comptes publics est donc ce matin à Amiens et d'ici la fin janvier, sa tournée devrait le conduire dans une quinzaine d'autres villes. Aurélien Fleureau, vous l'accompagnez pour Europe 1 et ce matin, il est clairement venu faire de la pédagogie. Oui, le ministre de l'Action et des Comptes publics est venu à la rencontre des agents de l'administration fiscale chargée de répondre aux questions des contribuables. Et ici, dans ce centre, eh bien, Gérald Darmanin a voulu démontrer qu'il connaissait son dossier en décrochant lui-même un appel. Bonjour. Bonjour madame. Eh bien, bonne année à vous. Vous aviez un revenu foncier. Et vous ne l'avez pas rempli dans votre feuille d'impôt en avril. Vous ne l'aviez pas encore vendu, votre appartement. D'accord, donc après votre déclaration d'impôt. Eh bien, je vais vous passer ma collègue qui va s'occuper de vous et qui va mettre ça en place. D'accord ? Un exemple qui tombait bien, puisque le ministre est venu marteler ce message. Il s'agit d'une réforme de simplification qui permet désormais de payer des impôts qui correspondent vraiment à notre situation du moment. Cette dame, par exemple, elle avait un appartement l'année dernière, elle était retraitée, et cette année, enfin, elle l'a vendu en juin dernier, elle a moins de revenus fonciers, donc elle paye moins d'impôts. Et là, on va pouvoir lui baisser son taux d'impôt, alors qu'elle aurait attendu un an avec l'ancienne réforme, et là, dès le mois prochain, elle paiera 300 euros d'impôts de moins. On constaterait que les gens répondent au téléphone, c'est pas non plus la folie absolue dans les studios. Les choses fonctionnent normalement, et elles fonctionneront normalement tout le long de cette année. Et ici, à Amiens, dans ce centre, il y a une trentaine d'agents qui répondent toute la journée aux appels passés au 0809 401 401. Aurélien Fleureau, à Amiens pour Europe 1.